Eh bien salut à toutes et à tous, ici Gamerside et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gun of Boom! Allez c'est parti! Donc comme vous pouvez le voir sur ces petits gameplays que j'ai fait à l'arrache tout à l'heure, honnêtement c'est un CS sur Android. Franchement moi j'adore, déjà j'adore CS, donc voilà, bon j'y joue pas trop souvent mais voilà, bref. Et vous avez un petit, franchement, un petit terre de CS, et franchement, j'adore ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu de tir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est CS, c'est un jeu de tir. Et en gros, bah, vous devez buter les adversaires qui vous sont donnés, tout simplement. Donc, je sais pas si la phrase elle fait, mais bon, c'est pas très grave. Mais honnêtement, franchement, vous avez plusieurs. À faire sur ce jeu, c'est-à-dire buter les gens et buter les gens, tout simplement, il n'y a rien à faire d'autre. Donc en gros, c'est faire le plus de kills possible et voilà. Donc honnêtement, moi je trouve que les maps sont très bien faites, il n'y a aucun souci au niveau de ça. Au niveau graphisme, je pense que ça aurait pu être mieux, mais à mon avis, les développeurs se sont pas vraiment concentrés sur le graphisme. Mais en tout cas, pour un jeu mobile, ça reste entièrement correct. Les armes, par contre, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de choix. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une sorte d'AK-47 ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et honnêtement, moi j'ai trouvé ça un petit peu décevant parce que honnêtement pour un jeu justement de tir, bah, qui dit jeu de tir dit jeu d'armes. Donc jeu d'armes, bah, il faut un peu une arme. Donc du coup, bon, voilà. Honnêtement, voilà, c'est la seule chose que je reproche à ce jeu. Donc vous avez dans une partie, vous avez plusieurs choses. C'est-à-dire que ça se finit sur 200 points, je crois, si je me souviens bien. Et vous avez 5 minutes en gros pour buter l'autre équipe. Donc là, j'ai fait une partie normale. Donc vous avez plusieurs modes, je crois. Donc moi j'en ai testé qu'un seul. Donc à voir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez testé si vous l'avez téléchargé. Et voilà, pas grand chose à dire par rapport à ce jeu. Mais honnêtement, moi j'adore ce jeu et voilà, franchement. Alors par contre, au niveau des tirs, des fois, c'est vraiment de la douille. Parce que vous tirez sur la personne à fond, à fond, à fond, comme vous allez voir, vous avez pu le voir dans le gameplay. Et après, la personne se fait pas buter. Et moi, je trouve ça un peu décevant parce que, voilà, franchement, c'est un peu décevant. Alors par contre, ce que j'aime pas aussi, c'est que au niveau de la sensibilité, on ne peut pas modifier la sensibilité. Ça, je trouve ça énormément décevant pour un jeu de tir parce que chacun a ses conseils, chacun a ses contents. Tout simplement. Tout simplement. Donc, du coup, voilà. Franchement, voilà. Mais sinon, ça reste un bon jeu. Comme vous avez pu voir, vous avez aussi les petites barres de vie pour savoir où sont vos coéquipiers et vos petits adversaires. Et aussi, vous avez, comme vous avez pu voir sur la droite, vous avez des petits soins qui vous permettent de vous soigner tout simplement. Vous avez des grenades aussi. Vous avez pas mal de choses. Et moi, franchement, voilà. Donc en globalité, franchement, ça reste plutôt un bon jeu. Mais après, je pense qu'il y a mieux. Honnêtement. Mais après, honnêtement, moi, il me fait penser beaucoup à CS. Donc, en gros, on peut tirer avec les murs. Ça, c'est pas très très grave à la limite. Mais moi, il me fait beaucoup penser à CS. Et notamment par les maps, un peu par les dispositions, notamment de la map où j'ai filmé. Et moi, je trouve ça vraiment très perplexe en fait. Donc voilà. Donc écoutez, mes amis, je vais vous laisser avec le reste du gameplay. Et je vous dis à tout à l'heure, tout simplement.
Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que le gameplay t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas fait. Et sur ce, moi je te dis à plus tard et à la prochaine. Allez, salut!